Que Dieu vous bénisse richement. Lisons les Saintes Écritures. Comme Dieu nous a accordé ce grand privilège, comme il nous a été dit, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Où est-ce que nous allons dîner? C'est à sa table. Et sa table, il n'y a rien d'autre que cette table bénie. Ce que vous comprenez, parce que nos âmes sont vraiment enfamées. Vraiment enfamé. Si Dieu peut vous aider à comprendre, même dans un songe ou dans une vision, l'état spirituel de votre âme. Des fois, quand vous vous dormez, vous vous voyez dormir. Et vous voyez dans un songe, soit quelque chose comme ça, que vous vous retrouvez nu. Cela montre l'état spirituel dans lequel que vous êtes. C'est, vous comprenez? Dans des songes que vous voyez nu, peut-être vous marchez nu, vous vous asseyez nu, des histoires comme ça, sachez le temps, vous avez mis mon arabe, déjà que non, faut luka, oh là, tabilama, cherchez déjà ce qui est de porter le voile de la gloire qu'ils ont perdu. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 3 nous a dit que nous vivons le temps de la nudité, de l'aveuglement, de la pauvreté. Est-ce que vous comprenez donc c'est ça? C'est la raison qui nous amène ici de parler de ces choses. Peut-être beaucoup de gens nous prennent pour des aventuriers. Ils nous disent que non, nous mettons une petite table ici à côté, notre petit ordinateur, ainsi de suite. Essayez un peu de dire des choses. Et ils pensent que nous cherchons la gloire. Nous ne cherchons pas la gloire. On ne demande rien ici si ce n'est que d'essayer d'être en communion pour nous ramener quelque part. C'est vrai, dans des songes, si vous voyez que non, vous entrez dans des endroits obscurs, allez-y dans la prière. Cherchez la lumière de la parole, écoutez la parole avant de dormir. Est-ce que vous comprenez? Si vous voyez des songes qu'on vous amène dans des lieux, dans des mers ou dans des forêts, je vous précise des endroits. Dans des forêts, vous voyez de telles histoires. Vous voyez dans des songes, souvent vous allez, on met des histoires, on vous donne des histoires dans les tables, des manger comme ça. Sachez-le, vous devez retourner à la parole, prier, écouter la parole quand vous vous réveillez. Quand vous êtes même au travail, prenez vos écouteurs, quand vous travaillez, laisse l'audition qui est la porte de votre âme, afin que votre âme, quand ce corps dorme, ne puisse pas être utilisé. C'est pourquoi nous parlons des dimensions, nous parlons de l'invisibilité, de la science marginale. Afin que vous puissiez comprendre ces choses ici, parce que quand ce corps se repose, ton âme, si ce n'est pas, et si ce n'est pas une âme qui est influencée par la parole promise de l'air, sache-le, bien-aimé, ma sœur bien-aimée, mon frère très cher, que vous serez une âme qui est emporté en tout vent, quand ce corps se repose. C'est vous voyez, parce que c'est à ce moment-là, l'influence de tout ce qui se passe pendant la journée, est-ce que vous comprenez, les feux de tout ce qui s'accumule dans votre cerveau, ça produit cette énergie qui ouvre une porte que les mauvais esprits vont venir et vous prendre, et vous utiliser comme il le veut. Mais si tu es devenu la parole, est-ce que vous comprenez? Je ne parle pas de n'importe quelle parole qui est mal interprétée comme nous voyons, comme nous venons de prêcher en anglais ici, parce que nous avons commencé avec l'anglais. Vous allez nous excuser, nous vous avons promis à 8h30, mais on a commencé aussi à 8h30, mais avec l'anglais, de 9h30 d'ici. Est-ce que vous voyez? Donc, on est là à votre service pour vous dire que non, parce que les cinq sens que vous possédez dans ce corps ici, sont les cinq, il y a aussi les cinq sens que vous possédez dans votre âme. Vous comprenez? Par votre nerf optique, tout ce que votre œil a capté, donc cela veut dire enregistré, c'est comme un appareil caméra qui enregistre les événements. C'est la même chose avec notre œil. Donc ça, c'est une caméra, cet œil. Ça enregistre les événements vécus pendant la journée, tout ce qui se passe, tout ce que vous voyez, vous regardez dans la télé, dans votre téléphone, dans vos TikTok et dans vos ordinateurs, ainsi de suite. Nous vous avons dit, nous allons expliquer ça ici,
Tout ça, c'est toujours dans les ondes, la quatrième dimension. Et pendant la nuit, dans cette quatrième dimension, et les mauvais esprits et tout, ceux qui pensent dans des sorcelleries, tout, utilisent cette dimension pour aller maintenant voir ceux qui ont des fragments par leur nerf optique qu'ils ont enregistré pendant la journée ou pendant tout ce temps, toute l'histoire que vous avez vécue et qui sont, qui sont gardés, vous comprenez, dans votre mémoire, si je peux dire, parce que je voulais utiliser un terme psychologique, vous essayez un peu de me comprendre. Donc, cela veut dire tout ce qui est gardé dans votre mémoire, donc dans votre sens, dans le centre de votre mémoire que nous appelons les mots m'échappent, je parle de ça souvent ici, vous comprenez, dans votre corps, dans votre cortex. Vous comprenez? Donc, ce qui est le centre de votre mémoire. Vous voyez? Donc, c'est là. Vous allez voir que non, il y a l'hippocampe. Et cet hippocampe qui est un organe qui est dans le centre de votre mémoire, c'est ce qui fait en sorte que quand ils viennent, c'est comme si des gens qui soutirent cet hippocampe et ils aillent avec ça, ils mettent ça pour étudier. Mais ils ne soutirent pas ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des choses comme vous voyez dans l'opération. Donc, essayez un peu de comprendre ce que je vous explique ici. Parce que quand nous regardons ce qui se passe avec la biologie, vous comprenez donc la médecine qui est évoluée aujourd'hui. C'est pourquoi nous parlons de la technologie et la biologie mis ensemble. Vous voyez? Donc, des opérations laser que vous voyez. Vous voyez? Donc, cela veut dire ces opérations chirurgicales de laser. Excusez-moi que je puisse fermer la porte. Vous allez me ciser. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous allez voir que non, l'opération faite par laser chirurgical, vous voyez, il y a des opérations maintenant qui se font, on vous met des tubes comme ça au niveau du cerveau et puis on peut faire des opérations, on coupe quelque chose et tout ça, ça se passe comme ça. Vous comprenez donc, on peut expliquer beaucoup, vous connaissez, vous qui êtes de la médecine, vous a déjà fait ça, vous qui pouvez regarder ça, même dans YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui sont là-bas. C'est la même chose qui se passe dans les spirituels. Quand les sorciers viennent, tous ces gens-là qui aillent dans l'autre monde, et tous les gens de loge, les gens qui utilisent la science marginale, est-ce que vous comprenez? Quand ils viennent, ils font la même chose avec des opérations chirurgicales laser. Vous comprenez? De loin comme ça, ils focassent quelque chose qui tient au niveau de votre nuque ici. Pourquoi? Parce que le cortex cérébral, c'est ici. Et à l'intérieur de cette cortex cérébral, vous comprenez, vous avez l'hippocampe qui est à l'intérieur là-bas, dans le centre de votre mémoire, qui garde tout ce que vous avez gardé, connaissance, tout ce que votre nerf optique a enregistré, l'œil. Ouais. Et ça influe au niveau de votre tête et avec toutes ces énergies produites, quand le corps se repose, l'âme qui a les cinq sens, qui se combine avec les cinq sens de ce corps ici, si cela n'est pas influencé par le ciel, la parole identifiée du jour, la parole révélée du jour, parce que dans ce temps où nous vivons, le diable n'a peur que de la révélation. Moutan ko sa yote. Satana banga ka kaka emoni seli na tango tozobika. Libanda emoni seli okokayete. Moto ako salute. Okokayete. Obe emoni seli ya tango poete. Nkolo ayebaki. Tango akite troni intercession. Atamboli alekiba lumière mystique. Les saints anges chantaient, les chérubins, les séraphins, les 24 vieillards. Jean se tenait là-bas. Du moment où il voulait plaire parce qu'il n'y avait personne qui pouvait prendre les livres et à rompre les sceaux. Parce qu'il savait que non, s'il n'y a personne, la race humaine est perdue avec lui qui se retrouve au ciel. C'est pourquoi il plairait. Et l'un des 24 vers de Jean ne plaire pas. Voici l'agneau de Dieu qui a vaincu. Il est digne de prendre les livres et de rompre les sceaux. Voilà, c'est ça. Seule solution pour les malins.
dans ces temps nous vivons, il a peur que de ça, lui avec ses acolytes. En dehors de ça, Azan Abino. Est-ce que vous comprenez? Et quand il a quitté ce trône, c'était le fumet qui était resté là-bas. Et le fumet, c'est du jugement. Vous comprenez? La fumée, si je peux dire, ou le fumet ou de fumée. C'est le jugement. C'est pourquoi nous vous avons dit comment connaître su. Il a déjà reçu. Reçu quoi? Il n'y a que deux ici, dans ce moment où nous vivons. Si pas la marque de la bête, le baptême du Saint-Esprit. Le sceau d'approbation. Quand nous allons lire, vous allez comprendre ce qu'il a promis, ce qu'il veut à ce que nous devons être. C'est pourquoi il a compris cette œuvre de la cour. Si vous comprenez. Que Dieu vous bénisse richement. Alors nous avons compris que non. Quand il a passé les lumières mystiques, quand il a quitté le trône du jugement, là où il intercédait, l'intercession a pris fin dans les ciels et descendu sur la terre. Pourquoi? Parce que la promesse de Luc 17 et 30 est accomplie. Le Fils de l'homme a son jour. Et quand il est allé, il a pris les livres de vie. Vous voyez? Autrefois, qu'il s'était éloigné d'eux dans les jardins d'Éden. Et il était devenu nu. Cela veut dire des gens immorales. Qu'ils ont pris la nature animale. Et la marque de la bête a pris place, la mort. Et cela amène les gens aujourd'hui à faire l'alliance avec la mort et le séjour des morts. Ils ne veulent pas se repentir. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la popularité et ils sont devenus grands comme le diable les a promis. Il leur a donné aussi. Et leur âme est perdue dans l'obscurité sans fin. Mais vous qui croyez être des fils et des filles, c'est le moment de prendre position. Comment vous allez prendre position? On prend position là où il y a la lumière. Et la lumière est où? Là où il y a la révélation du jour. En dehors de cela, il n'y en a pas d'autre. C'est pourquoi nous vous insistons. Quand l'apôtre Paul parlait dans 2 Thessaloniciens, il ne parlait pas d'autre chose. Il parlait de ce que le Seigneur lui a montré que non, quand l'ange puissant va descendre. L'accomplissement de Luc 17 et 30, la clé de voûte pour sauver nos âmes. Pour que ton esprit à toi ne puisse recevoir rien d'autre que cette position que tu avais perdue en contournant ta théophanie. Vous comprenez? Parce que ton esprit devait être un grand être qui quitte le trône pour que tu puisses posséder l'invisibilité, devenir Christ. Une femme qui se marie avec son homme porte son nom. C'est pourquoi on vous appelle des chrétiens. Et nous vous avons dit que non, vous allez devenir des Christ. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez? Il a pris le livre, il est descendu dans Apocalypse chapitre 10, dans 1963. Frère Branham était à la montagne. La nuée était descendue sous forme de la figure du Seigneur Jésus-Christ. Ce jour-là. Et il y avait des nuages qui avaient les formes des ailes d'anges. Vous comprenez? C'était des sept anges qui représentaient chaque âge, chaque église, depuis Éphèse jusqu'à l'Odyssée, et nous faire de sortir de l'Odyssée pour entrer dans l'âge de l'épouse. Nous sommes devenus lui, l'épouse du Christ, dans la stature parfaite d'un homme. Est-ce que vous comprenez, mes chers? On se tient ici pour vous supplier. Nous sommes des mortels, des pécheurs. Mais le Seigneur ne veut pas ce que nous puissions demeurer dans cet état. Ce n'est plus le temps de vous prêcher les influences, vous montrer des grandeurs. Non, nous devons être. Donc ça veut dire que nous sommes des miniatures. Alors que Dieu ne veut pas ce que nous puissions. Donc ça veut dire que l'état spirituel de ce monde ici, c'est la nudité, c'est l'humiliation, c'est l'immoralité, c'est la mort, c'est l'obscurité. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi les gens ont peur des maladies pour aller à l'église. Mais ce n'est pas ça. Si vous lui possédez, vous n'aurez rien à craindre. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il vous a aimé et il est là avec vous. Il a pris plaisir de demeurer en vous. Et quand il demeure, cela veut dire que vous avez changé.
votre entendement. Tout ce qui peut vous arriver, vous allez prendre ça dans une autre, dans un autre niveau. Vous comprenez? Dans une autre dimension. Voilà. Parce que ils prennent ça dans leur dimension d'en bas. Tout ce qui peut leur arriver, ils consultent directement. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, si vous n'êtes pas en ordre avec ces écritures, qui est-ce que vous allez consulter? Alors, quand il est descendu, nous avons reçu la révélation des sceaux qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, 7, 10, il est descendu lui-même, avec un petit livre ouvert. C'est ça la seule chose que le diable n'aime pas, parce qu'il a peur de ça, ce sont des bombes atomiques. Premier sceau ouvert, deuxième sceau, ça veut dire 7 bombes atomiques. Et cela, le Seigneur a réservé à ceux qui lui obéissent. Ceux qui n'ont pas fait l'alliance avec la mort, le pacte avec le séjour des morts. Ils peuvent avoir ce message, mais ils n'auront pas l'esprit de ce message. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait la corruption au niveau de leur esprit. Et ils gardent ça hypocritement au lieu de confesser, de rejeter ça. Si cela vous coûte la vie, faites-le pour sauver votre âme. Et le Seigneur, quand il viendra, il est si capable de vous rendre ce que vous avez perdu. Comme il a dit, si vous avez perdu votre vie pour moi, vous l'aurez. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est pourquoi nous prenons ces histoires ici, en posant cette question. C'est juste une petite question que nous vous posons. Compagne, comment connaître-tu si tu l'as ou pas? Vous comprenez? Car le saint prophète nous a dit, dans ce temps où nous vivons, si vous n'avez pas la marque de la bête avec vous, donc cela veut dire, vous avez le sceau de Dieu. Si vous n'avez pas le sceau de Dieu avec vous, vous avez la marque de la bête. Donc, il n'y en a pas donc, à discuter ou à expliquer. Exacté. Ce qui osa la marque de la bête, c'est que vous avez le sceau de Dieu, donc vous avez baptême ma Saint-Esprit. Oso mbotama yasika. Mais si vous avez mbotama yasika, vous avez le baptisé mon lieu, mon santo, si vous avez un nenga d'église, yabadon, sachez-le que tu es un perdu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi nous venons d'insister ici. C'est le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'autre. C'est naître dans le royaume de Dieu. Passer de la mort à la vie. Ceux qui sont à moi et qui croient à celui qui m'a envoyé, ils sont passés, ils ne passent plus au jugement parce qu'ils sont passés de la mort à la vie. Parce que la mort, c'est le jugement. Parce qu'il leur a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Le jugement a été fait. Et la sentence du jugement, c'était la mort. Vous comprenez? Tout le reste, les maladies, des douleurs de l'enfantement, vous allez donner naissance aux enfants avec des douleurs. Et toutes ces histoires-là, la pauvreté, le freinage, la jalousie, tout ça, la haine, étaient venues après la mort. Parce que ce sont des attributions du péché. Vous comprenez ça? Et la mort, c'était la sentence. Et le Seigneur ne veut pas que non, nous puissions subir cette sentence. C'est pourquoi il a dit à moi, ils sont passés de la mort à la vie qui est lui. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés dans le royaume. Alors, comment est-ce qu'ils vont passer dans le jugement? C'est l'épouse du Christ qui ne passe pas dans le jugement. À cause de quoi? Parce qu'il a tout rejeté. À l'intérieur de son intérieur, quelles que soient ses fautes et erreurs qui peuvent lui arriver, à l'intérieur de son intérêt, il ne cache rien. Quand il vient devant le Seigneur pour confesser, pour prier, il n'a rien qu'il cache, qui lui serve à être influencé dans le monde. Non. Azamote. Est-ce que vous comprenez? Et pourquoi? Dans ce temps où nous vivons, si vous n'avez pas le sceau d'approbation, les gages, l'héritage, les baptêmes du Saint-Esprit, sachez-le, vous avez la marque de la bête. Ce n'est pas question qu'on puisse mettre ça comme caché dans ton front comme ça. Ou faire des signes comme les musiciens font, les politiciens font, et d'autres pasteurs, ainsi de suite. Non,
Vous comprenez? C'est quelque chose qui est dans ce que vous croyez. Comme nous venons de dire, donc cela veut dire vous les recevez, vous pouvez recevoir ça dans TikTok, vous pouvez recevoir ça dans Facebook, dans WhatsApp, vous pouvez recevoir ça au boulot, vous pouvez recevoir ça en route, parce que vous êtes vide, vous êtes nu. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui est nu, sentez-vous, vous êtes dans la rue nu. Donc vous êtes quelqu'un qui, donc ça veut dire irresponsable, immoral, et faible, donc tout le monde peut jouer avec lui, même un chien peut s'attaquer de vous parce que vous êtes tenu, vous avez peur, vous n'avez pas l'autorité sur vous. Voilà la nudité spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Tout peut vous arriver. Tout peut vous attaquer. Tout peut. Nyon, ce koki koko, melo pego, osimo pego, yo kangamanayo. Posa moutabala. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous avez la révélation du jour, Christ Jésus identifié dans des âges. Et aujourd'hui, ce n'était pas l'identification, mais il s'est personnifié. Voilà l'identification de l'invisibilité, l'union invisible de l'époux avec son épouse. C'est pourquoi, si vous n'avez pas lui, vous avez l'un. C'est pourquoi vous voyez ça dans le naturel. Entrez dans vos réseaux sociaux, vous allez voir les femmes qui se laissent nues. C'est l'état spirituel des églises. C'est l'état spirituel de beaucoup de gens. Mais ils sont là à regarder sur les erreurs de faute des enfants de Dieu pour les accuser toujours. Bon, ils font le rôle du diable, mais le sang crie pour nous. C'est question simplement d'être sincère envers le Seigneur qui jugera ceux qui sont en lui. Allez lire Psaume 105, versets 1 jusqu'à 15. Vous comprenez ça? Que le Seigneur vous bénisse. Lisons les Écritures, car nous aimons la parole vivante de Dieu. Et nous allons parler de paix et terminer. Voilà. Donc, nous aimons toujours l'introduction animée par l'onction de l'Esprit, parce que c'est lui l'auteur de cette parole. C'est lui qui nous dispose. Nous ne sommes que des instruments. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons dans les livres d'Éphésiens, chapitre 1er. Nous allons commencer au verset 3. Jusqu'au verset, j'aime lire ça les tout, hein? J'aime beaucoup ce chapitre, pas vous, j'aime commencer ça jusqu'au début comme Paul est en train de témoigner, non selon la volonté de, comme beaucoup de gens vivent selon la volonté, il est dans une grande église selon la volonté de son père. Il est dans une église selon la volonté de son mentor. Il est dans une église selon la volonté de son père spirituel, selon la volonté de sa mère. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, pas selon la volonté de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Nous, selon la volonté du roi des rois, Seigneur des seigneurs, Christ Jésus. Parce que nous nous abandonnons. Donc, Seigneur, je n'en peux pas. Si, sans toi, si tu m'abandonnes, oh, je ne sais pas. Aie pitié de moi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Nous lisons. On commence au verset 3, nous lisons rapidement parce que nous allons lire un long chapitre et nous voulons lire un long chapitre pour mieux comprendre ce que le Seigneur révélait à son premier ange ici dans l'âge de l'Éphèse, dans l'église d'Éphèse. Nous lisons rapidement, gloire au Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen. Béni soit le Dieu de notre Père, Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. 4. En lui, Dieu nous a élus. En lui, qui? Christ Jésus, le Seigneur. Amen. La colonne de feu par qui Dieu a créé cieux et la terre. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait sans elle, la parole. Amen. En lui, Dieu nous a élus. Voilà, avoir une représentation en soi. La profondeur appelle la profondeur. Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui, en lui, par son sang et sa vie qui est sortie du sang, qui est revenue aujourd'hui vers nous.
Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Alléluia, j'aime ça. Verset 6. Pour célébrer la gloire de sa grâce, donc, il nous a favorisés dans les bien-aimés. Amen. Alléluia. L'époux, Christ Jésus. Alléluia. 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que c'est clair? Il y a du miel au rocher. Vous comprenez? Allez-y là-bas, dans la fontaine qui ne s'étarisse pas. Épuisez l'eau de vie. Buvez jusqu'à satiété. Comme l'histoire que je voulais parler maintenant, que Frère Branham nous a parlé, mais lisons les Écritures. Ça va nous prendre encore du temps. Amen. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. 9. Il nous a fait connaître les mystères de sa volonté, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même. Amen. Alléluia. Et maintenant, vous allez là-bas pour étudier Dieu. Les desseins qu'il a formés en lui-même. Voilà là où la théologie tombe. Est-ce que vous comprenez? Paul, qui nous parle ici, s'il a dit non selon la volonté, ça veut dire auparavant, il était selon la volonté de leur père. Servant Dieu selon la volonté de leur Père, persécutant les chrétiens. Mais un jour, dans Acte 9, le Seigneur lui a frappé ses nerfs optiques. Vous comprenez? Détruit tout ce que ces deux caméras ont enregistré et ont gardé. Vous comprenez? Dans son LEP temporel, vous comprenez? Dans son cortex cérébral. Vous comprenez? Donc, ça veut dire son hippocampe était plein de la théologie, parce qu'il était dans l'école de Gamaliel. Il a appris beaucoup sur la loi mosaïque et tout ce qu'on les a enseigné depuis Abraham, vous comprenez, jusqu'à Jean-Baptiste. Mais il a oublié que la dispensation avait changé, et beaucoup de gens aujourd'hui restent encore dans cette ancienne dispensation qui est la manne d'hier pourrie, cachée, la mort est là dans vos pots des églises. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais, quand le Seigneur lui a rencontré, on l'a envoyé vers un prophète, Ananias, et Ananias lui a imposé les mains. Il est allé en Arabie, il a reçu la révélation du jour. Et il est venu, il nous a écrit le Nouveau Testament. Voilà comment est-ce que Dieu marche. La lumière avance. Si tu restes, dans l'obscurité. Si tu avances avec la lumière, la révélation du jour, tu demeures dans la lumière. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu rejettes, tu es déjà jugé. Le jugement est à ta porte. Quoi le jugement? Pourquoi? Parce que tu as fui le sceau d'approbation, tu as préféré de prendre la marque. Parce que les deux sont là. C'est qui à vous de choisir? Le deux dans un même lit, l'autre est pris, l'autre est resté. Amen. Comprenez? Nous avançons en lui-même. 10. Pour les mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. Amen. Et le temps qu'on parle là, c'est ce temps ici. Vous comprenez? Alléluia. Descendez avec le petit livre ouvert. Apocalypse chapitre 10, 1 à 7. 11. En lui, nous sommes aussi devenus devenu héritier. Voyez qui l'héritage? Pourquoi vous avez quitté l'état infantile de vous dorloter à chaque fois pour aller à l'église, pour donner vos dîmes, vos offrandes à la maison de Dieu, pour que vous puissiez être bénis, de doter ce que vous avez caché jusqu'aujourd'hui? Vous comprenez? Qui empêche Christ de prendre la prééminence et la domination en vous et faire de vous son temple, parce qu'il n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Vous lui empêchez d'être le maître et l'époux.
Vous ne voulez pas cette union invisible. Vous rejetez l'invisibilité du Christ. Vous préférez l'invisibilité d'en bas. Parce que le diable aussi manifeste dans l'invisibilité. C'est pourquoi nous vous avons cité la science marginale. Parce que vous ne pouvez pas faire les déplacements, donc, la téléportation, sans pour autant avoir l'invisibilité avec le monde des ténèbres. Vous comprenez, être en contact avec eux. Vous ne pouvez pas voir la projection astrale sans pour autant obtenir cette invisibilité du monde des ténèbres avec toi. Est-ce que vous comprenez ça? Vous ne pouvez pas être capable d'avoir cet esprit, ce courage-là de faire des mutations génétiques pour créer d'autres espèces, ou soit de natures animales, ou entre des hommes et des animaux, ou faire des histoires que nous voyons entre hommes et hommes, femmes et femmes, sans pour autant que vous puissiez avoir ça avec vous. Même si vous êtes un médecin ou quoi que ce soit, ou des politiciens, tout ce que nous voyons, vous ne pouvez pas faire des réanimations des morts comme nous avons vu là-bas. Ce n'est pas une réanimation, mais c'est juste que la personne, on lui a fait déplacer pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Là où le Seigneur n'avait pas permis, ils se sont permis, mais ils sont des perdus. Pourquoi? Parce que leur âme est déjà servie dans les ténèbres. Et ici, et ils vivent complètement dans ça. Et maintenant, toi qui se prétends être un chrétien, aimant Jésus, tu ne comprends pas que non, la science marginale, quand ça a pris place, c'est pour vous utiliser par leur influence sur ce qui influe votre cerveau. Ce que vous comprenez, et ces cinq sens ici, cela s'est influé. Gardez cela dans votre mémoire et cela est ramené dans votre âme quand vous êtes endormi. Quand vous êtes dans des visions, dans des songes, tout ce que vous voyez là, sachez-le que vous vivez déjà dans un monde qui ne vous appartient pas. Mais eux, ils sont là. Est-ce que vous comprenez? Et ils vivent ça et ils sont joyeux parce qu'ils ont fait leur alliance et ils ont fait le vœu. Et ils vous utilisent, vous êtes là, rien, parce que vous êtes nu. Ça ne couvre pas. Ce qui couvre, c'est le voile de gloire qu'ils possédaient avant la chute. C'est ce que le Seigneur nous a ramené aujourd'hui. Lisons les Écritures. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère. Prédestiné suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Parfaite. 12. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, il y a les lots, Luc 17 et 30, Apocalypse chapitre 10, 1 Thessaloniciens 4, pas 2 Thessaloniciens, mais 1 Thessaloniciens 4, vous comprenez, Malachie 4, 1 à 6, Hébreux 13, 8, Zacharie 14, 7, est-ce que vous comprenez, Jean 14, 12, avancez maintenant. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Amen. Qui avait été promis? Lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire? Vous avez déjà eu ce gage où? Pas, si pas, il y a la marque de la bête à côté. Parce que ici nous avons des esprits. Est-ce que vous comprenez cela? On avance. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ, amen, mais ici c'est Seigneur Jésus, et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Alléluia, j'aime ça. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, alléluia, éternel, nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Oyo qui pour nous tout autant à mon moulaï, enseignement de Jérémie.
Vous comprenez? La sagesse de révélation dans sa connaissance. Amos 3. J'aime ceux qui aiment la connaissance de Dieu plus que les biens de ce monde, plus que les sacrifices, plus que la connaissance de Dieu. 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ceux qui vous disent que non, j'ai la foi en Jésus. Non, quelle foi? Les yeux, vous avez capté quelque chose et vous l'avez gardé et cela vous a ramené dans un monde qui ne vous appartient pas. C'est pourquoi nous parlons de dimension. En vous posant cette question, comment est-ce que tu peux connaître si ces choses qu'on vous dit ici n'est pas encore en vous, sachez-le que la marque de la bête est là. Prenez position, quittez. Le Seigneur a dit dans Timothée 3, sortez au milieu d'eux, je serai. Vous comprenez? Et vous serez. Alléluia. J'aime ça. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Alléluia. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Ce n'est pas simplement Saint Patrick, Saint Augustin, Saint Obakoufate, Ndetoana Viboye. Est-ce que vous comprenez? Lisons, alléluia, qu'il réserve aux saints. Maintenant, qu'est-ce que toi tu attends? Ça c'est là. Tango yeso ako yako kamatabanimbi, kelelo yekobe. Non, kelelo beta qui n'a pas l'Apocalypse chapitre 10. C'est le temps que nous possédons déjà l'héritage du royaume, naître dans le royaume. Et quand quelque chose peut arriver comme ce qui est arrivé au Brésil, vous comprenez? Comme il y a un building et qui se collapse ici à Saint-Georges, à Cape Town, vous allez directement, si vous vous retrouvez là-bas, le Seigneur a permis que vous puissiez pas aller par cette destruction du building, vous vous retrouvez déjà au ciel. Si vous comprenez, parce que vous êtes en lit. 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. J'aime ça. Amen. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Là, nous rentrons dans Romains chapitre 8. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, le corps est mort à cause du péché, vous comprenez? L'esprit là, vous comprenez, cette vie qui est sortie de son sang rendra aussi la vie à vos corps mortels parce que vous possédez le sang. La révélation de cet essai, c'est ça le sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Apocalypse chapitre 10. Le secret des chambres du roi. Celui qui, voici, je me tiens à la porte et je frappe. La porte de ton cœur. Celui qui attend ma voix, ouvre et j'entre individuellement. Nous ne sommes pas des juifs. Bangonde bana sali collectif au total et Zacharie. Mais ici, avec nous, c'est individuellement. Quand tu caches, parce que beaucoup t'en vont ensemble, vous êtes de la collade et tout ça, vous croyez que non, c'est ça le royaume T. Le royaume Yangoy. Est-ce que vous comprenez? Quand vous reconnaissez, vous comprenez? Votre jour est son message. La parole promise de votre jour. L'identification du Christ personnifié et vous aussi, vous serez personnifié en lui identifiant. Quand vous ouvrez votre bouche, vous commencez à parler de cette parole. Les gens entendent notre symphonie qui est différente de ce que eux, ils ont entendu et vu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. C'est ce qui illumine. Alléluia. Les yeux de votre cœur, la foi que vous vous possédez, parce que quand la Bible parle de cœur, vous comprenez, ramenez le cœur de pervers, ça veut dire la foi, ça veut dire l'illumine, ce que vous avez gardé là, vous croyez que ça bien, parce que vous êtes de quelle église? Je suis d'église telle, mon père est spirituel et ceci, je suis catholique, je suis d'église réveillée, je suis délimité, j'ai pris à l'église telle, c'est la perdition totale. On avance. Il a déployé un Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. 21. Au-dessus de toute domination.
de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia! Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Qui se nomme, c'est ça la dénomination. Église Intel nomme. Nomme. Politicien Intel nomme. Voilà les peuples qui souffrent, mais qui continuent toujours à adorer les gens qui les font souffrir. Peut-être toi, tu as ton gagne-pain derrière cet homme, mais regardez ceux qui sont derrière toi. Donc ça veut dire, yo, so komi, o komi déjà jugé, o la tingambo. On termine. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Voilà l'Église où nous voulons que nous vous puissiez être des membres. Dans le corps mystique de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc c'est pourquoi as-tu déjà reconnu, vous allez m'excuser de prendre ça. Compagne, si tu l'as ou tu ne l'as pas, c'est à toi de faire l'examen. Ce n'est pas à quelqu'un de le faire à ta place, non. Ce n'est pas un pasteur de le faire à ta place, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas au berger Moussema, vous comprenez, Enrique, qui aime la parole, de le faire à ta place. Ce n'est pas le pasteur Flori qui va le faire, non. Oh, pasteur Chico, c'est lui qui va faire ça. Non, c'est toi individuellement. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est ça. Et aimer ceux qui se tiennent derrière la chair. Prier pour eux. Ils ont sujet à beaucoup parce que le diable les tente beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Des fois, vous le voyez dormir à l'église là-bas. Il abandonne sa maison parce qu'il n'est pas en paix à cause de vous. Et si vous lui laissez sans pain, sans chemise, sans chaussures, il est là à quémander chaque fois à se vêtir jusqu'à aller même chercher à être avec ceux qui sont allés faire l'alliance avec cette dimension d'en bas, Dieu vous condamnera. Est-ce que vous comprenez? Aimez-les, priez pour eux. S'il faut même gêner pour lui, gêne. Ce n'est pas une tâche facile d'être un serviteur de Dieu. C'est pourquoi les autres permettent même les femmes à prêcher aujourd'hui parce que cette femme l'est influence juste pour garder l'état de l'église. Mais il a lu les Écritures, qui a nié ça? Et toi aussi qui fais ça, frère serviteur, sache-le, tu tues ton âme et tu tues beaucoup de gens. Ce que nous venons de parler ici pour conclure avec ça, l'enseignement d'aujourd'hui, vous comprenez? Nous vous avons parlé de ces choses et nous avons expliqué ça. Ce que vous comprenez? Nous avons dit que non, quand Michael a chassé Lucifer, il a voulu se tenir ici dans la cinquième dimension. Dieu a rendu ça ici. Ésaïe chapitre 14, 12 à 14. Vous comprenez? Dans des abîmes. Et il a mis son foutoir ici, son paradis ici. Il a établi ça ici. Et nous vous avons mis cette pyramide de 13 étages avec ce l'œil qui voit tout. Et nous vous avons expliqué. Nous allons lire des choses qui est dans ces pyramides. Comme nous avons lu ça autrefois, nous allons lire. Et tout ce que nous avons mis ici, vous avez vu, nouvel ordre mondial. Ce que vous comprenez, qui a commencé le 1er mai 1776, je pense, si je ne m'abuse pas parce que c'est coupé ici, je pense que c'est ça. Voilà. Donc, vous allez comprendre que non, quand il a mis là-bas, et tous, ils viennent ici en utilisant les ondes qui permettent les gens à voyager, à faire des déplacements spatio-temporels, vous comprenez, et la projection astrale et toutes ces choses qui font, vous comprenez, avec les réanimations des morts et tout ça qui font partie des sujets de la science marginale, ils pratiquent cette dimension ici. Et les enfants de Dieu aussi utilisent cette dimension ici, vous comprenez là-bas, pourquoi quand, ce que nous venons de vous dire, vous êtes remplis de la parole. La parole qui élimine vos yeux, afin que ceux qui viennent d'ici ne puissent pas vous faire quitter première dimension pour vous amener dans deuxième dimension ici. Ici,
Ils ont aussi des vies qui sont identiques à cette vie ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le compromis avec la parole. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Et ils viennent ici, ils ont des enfants. Ils font la vie qui est ici. Ils déplacent des objets ici. Ils ramènent ça ici. Nous allons entrer avec ça en détail. Est-ce que vous comprenez? Il y a des déplacements, des objets qui viennent ici et cela crée des catastrophes que vous voyez, des immeubles sont en train de collapser, comme je dis ça en anglais, collapse, ça veut dire écouillis. Ouais, vous voyez des inondations, vous voyez des eaux qui s'élèvent et toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui a brisé les limites que Dieu a établies et les conséquences sont inévitables. Est-ce que vous comprenez ça? Mais le pousse du Christ, tout celui qui se nomme ou qui prétend être chrétien, il se positionne dans la parole. Vous comprenez? En lisant, en regardant, ce qui influence son nerf optique, son nerf cochléeux. Vous comprenez cela? C'est ce qui fait en sorte que ce que vous entendez, comme le Seigneur disait, la foi vient de ce qu'on entend. Voilà. Ce que nous venons de dire avec, lire avec l'apôtre Paul qui dit que non, enfin qu'il puisse éliminer les yeux de votre cœur. C'est une expression révélative, vous comprenez? Ce que vous avez reçu d'eux, quand on vous a dit voici, il est ici, et vous vous êtes allé. Alors que le Seigneur nous en a averti dans Matthieu 24 que non, n'y entrez pas, n'allez pas, n'écoutez pas. Vous devez écouter le son de la trompette du jour parce que c'est de là qu'il nous a promis. Quand il a envoyé son septième ange parmi les anges qui étaient là dans la nuée, quand nous avons vu le nuée sous forme des ailes qui représentaient chaque ange qui était sur la terre, qui a prêché sans compromis, ni retranscrit, ni ajouté. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, cette influence que vous avez en vous, comme vous êtes influencé par la parole, il n'y a rien qui crée des influx au niveau de votre cerveau qui est le centre, qui synchronise les cinq sens de la chair et les cinq sens de l'esprit. Vous comprenez? Enfin, que quand les cinq sens de la chair se reposent par le sommeil, c'est de l'âme commence à être anémanée. Et maintenant, c'est ce qui vous arrive, comme nous avons expliqué dans des songes. Donc, cela veut dire... Vous allez voir ceux qui viennent ici et qui utilisent tout ça, c'est le temps. Première dimension, deuxième, troisième, sont des dimensions du temps. Tout, vous comprenez, même cinquième, c'est le temps. Et on les a trompés que non, avec ce qu'ils font ici, ils vont vivre à long jour, au grand jour. On leur a dit que non, vous êtes déjà capables, vous voyez? Donc cela veut dire... Comme le diable avait dit à Ève au jardin d'Éden, non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez le bien et le mal. C'est ce qu'on leur dit ici. Voyez, vous déplacez ici, vous allez déjà dans un autre monde, dans un autre monde. Vous allez déjà dans une autre dimension jusqu'au troisième ciel. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui vous reste encore? Il n'y a rien! Vous comprenez? Vous voyez l'importance de la marque de la bête. Voyez? Donc, vous possédez ici, et ces gens ici qui ne voient pas, ils sont limités. Et vous possédez tout, les voyages et tout ça. Et même si vous êtes là pendant la journée, vous pouvez vous déplacer, être aussi avec les gens qui sont ici et rentrer ici. Voyez? Aller jusqu'ici et aller jusque-là. Vous comprenez? Donc, vous possédez tout et vous, rien qui ne peut vous arrêter, même dans des aéroports et tout ça. Vous comprenez? Et c'est ce qui a fait en sorte que non, cela a créé ou produit quoi? Le conseil œcuménique. Parce que beaucoup de politiciens et de serviteurs de Dieu, ils ont fait de l'alliance. C'est pourquoi vous le voyez, il passe comme ça au Facebook, à la télé. Il est là avec les politiciens, avec des grandes femmes, vous comprenez? Pour vous montrer combien est-ce qu'il est grand. Vous allez voir des musiciens sont en train de lui témoigner. Et témoigner son église, comprenez déjà que non, eux tous, ils sont ici, ils tirent leur influence, leur popularité, leur succès, ici dans la cinquième dimension, au paradis de Satan. Et on leur a ouvert les yeux, ils font des projections astrales, des déplacements spatio-temporels pour venir ici. Les autres ne veulent pas se marier parce qu'il a une femme ici. Et cette femme vient ici, se rencontre ici, et ils ont déjà des enfants. Et il a peur parce que peut-être le jour où il va se marier, cette femme est trop jalouse, il va mourir.
Vous comprenez, il y a beaucoup de choses qui se passent dont nous venons ici pour vous enseigner afin d'éviter même de ne pas écouter une telle personne qui brise les Écritures. De ne même pas écouter ce qu'il prêche, ce qu'il déclare. Si tu le vois sur Facebook, sur quoi, passe. S'il est un musicien ou il chante Jésus non identifié, sachez que non, n'écoutez même pas sa musique parce que l'influence, vous comprenez, qu'il tire, qu'il vient pour gagner cette popularité, pour vous séduire, vous égarer, vous garder dans cet état de la nudité, de l'aveuglement, de la pauvreté spirituelle, il tire ça d'ici. Est-ce que vous comprenez? Je sais qu'aujourd'hui, les organisations, ils ont multiplié les souffrances, bloqué beaucoup de gens qui n'ont pas terminé leurs études, et les parents sont morts, ainsi de suite. Tout ça pour prendre un grand nombre de gens à croire le diable, Satan. Vous comprenez cela? Voilà ce qui se passe. Et maintenant, vous êtes là, vous avez souffert, vous faites vos études, vous arrivez quelque part, on vous dit, si tu ne veux pas ça, tu n'auras pas ça. Mais si tu es comme un abote, tu diras, non, je ne peux pas te vendre mon droit de naissance. Mon champ que mes pères m'ont laissé comme l'héritage, je ne peux pas te vendre. Je ne peux pas vendre mon héritage, la révélation de cette source. Vous comprenez? L'identification de qui est Christ. Les événements rendus clairs par les prophéties, je ne peux pas te vendre ça pour le bien de ce monde ici. Je vais persévérer, le Seigneur viendra et il me bénira. Voilà la vie des enfants hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego. Voilà la vie de Daniel. Voilà la vie de Jérémie, de Job. Ne nous chante pas simplement que non, donne-moi le cœur de Job. Le cœur de Job, c'était pas des déclarations, c'était une vie. Voilà. Donc, ça paraît que nous utilisons, vous comprenez, avec tous les trucs des réseaux sociaux, nous vous avons déjà parlé de ça, utilise ça d'ici. Dans les cinquième dimensions, qui relie les ondes, qui relie les télévisions et toutes ces histoires, vous pouvez voir des choses qui se passent de l'autre côté dans votre ordinateur ou dans votre téléphone. Vous comprenez? Alors, ici, nous avons vu qu'il y avait aussi une télé au Jardin d'Éden, ce jour-là, au montagne de Carmel, il y avait une télévision. C'est la télévision de Dieu qui projetait les choses qui doivent arriver, qui doivent venir pour préparer ceux qui vont venir, comme nous venons de lire sur les Écritures ici. Ouais, pourquoi? Pour qu'ils ne puissent pas passer ici. Remarquez, après avoir mis toutes les dimensions, 1, 2, 3, 4, 5e dimension, avant d'atteindre 6, il y a le jugement ici au milieu. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ, nous avons lu ça ici, nous vous avons dit ça ici, que non, il a dit que ceux qui sont en moi ne viennent pas au jugement parce qu'ils sont passés de la mort à la vie. Ils se sont lavé leurs habits en se repentant, confessant, mettant, en cherchant la volonté parfaite de Dieu du jour. Ils n'ont rien caché. Même si on lui a donné quelque chose du monde des ténèbres quand il était un petit enfant, quand il a écouté, il n'a pas endurci son cœur. Il s'est repenti, il a rejeté ça. Si ça va me coûter la mort, je suis d'accord avec ça de rejeter cette alliance que j'ai faite. Ce pacte ici, je l'avais fait inconsciemment. J'avais fait ça consciemment, mais je prends décision aujourd'hui. C'est ce que Dieu vous attend. Et vous êtes devenu l'épouse du Christ et vous possédez son nom. Et en ce moment-là, vous êtes passé de la mort à la vie. Ça veut dire, c'est ce que Frère Branham dit, l'épouse du Christ ne vient pas au jugement parce que le Seigneur Jésus-Christ l'en a dit. Là, nous prenons encore Romains chapitre 8, verset 1. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ parce qu'ils sont passés de la mort à la vie. Vous savez, la mort, c'est la sentence du jugement, de la malinterprétation des Écritures qui a commencé, j'allais dire, à ramener la marque de la bête qui est arrivée à son aboutissement au niveau le plus élevé. Et les gens sont devenus des incrédules, mais ils sont là serviteurs de Dieu, évangélistes, prophètes, pasteurs, apôtres, bishops de Dieu, de Jésus. Nous, nous prêchons que la parole. On ne cite pas les noms des gens. On peut commencer à citer les noms des gens et là, on peut comme un athée. On peut vous dire, quelqu'un ici se transforme comme ça. Oui, à ça, là, va boyer, à côté, à la loge, boyer, à ça, on peut vous dire ça ici, tous.
du Congo, Angola, Nigeria, Gabon peuvent vous dire ça. Mais ce n'est pas ça qu'on vient prêcher ici. On vous prêche la parole afin que vos yeux puissent s'ouvrir. Vous puissiez éliminer les yeux de vos cœurs que non, ngana église est telle. Biso to kola église on a biso boy, nous nous sommes deux. Non. Nous avons lu ici héritage, membre dans son corps. Ephésiens chapitre 1 jusqu'à 22, nous avons lu ici. 23. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant là, deux qui quittent ici, tellement ils n'ont pas fait la compromis avec la parole. Ils sont sincères avec le Seigneur. Quelles que soient les erreurs, les fautes qui leur arrivent, le sang est là. Ils lavent toujours leurs habits, comme le livre d'Apocalypse chapitre 12 le dit. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que leurs noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 13 chapitre 8. Comme l'apôtre Paul vient de nous dire ici dans le chapitre 1er. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. C'est là où que l'agneau a été immolé. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, quand vous quittez ici par la mort maintenant n'est plus un jugement pour vous, n'est plus une condamnation pour vous. La mort est devenue une voiture qui vous transporte. La mort est devenue une voile qui s'ouvre, voile de rideau. La mort est devenue un avion, vous comprenez? Et donc, une porte qui s'ouvre et que vous puissiez voir de l'autre côté. Maintenant, de l'autre côté des saints, ce n'est pas ça, les temps. C'est deuxième dimension, troisième, cinquième, non. C'est la sixième. Est-ce que vous comprenez? Pour l'épouse du Christ qui a reçu l'invisibilité, qui vit dans l'invisibilité, vous comprenez? Il quitte ici directement, il se retrouve ici. Voilà l'exemple du saint prophète. Frère Branham, un jour, pendant la journée, il dormait dans son lit, en se reposant comme ça, il a mis ses mains derrière la tête. Vous comprenez? Derrière son cortex cérébral. Voilà, en dormant comme ça, et le Seigneur lui a ravi. Comme le Seigneur promet et ne ment pas. Voilà. Et qu'est-ce que Frère Branham avait vu? Il a vu les gens ici vivaient les mêmes vies avec les vies qui vivent ici. Et tout ça, non, ce n'était pas le cas. Vous allez voir une femme qui s'est mariée ici et il a aussi un autre homme ici. Non, ce n'est pas ça. Vous comprenez? Nous allons parler de ça en détail. Avançons. Ce n'est pas ça. Frère Branham n'a rien vu d'ici. Tout ce qu'il a vu d'ici, il nous a dit. Quand il était... Le Seigneur lui a ramené ici quand il était dans le coma. Il a vu des choses qui se passaient, les femmes en rouge en lèvres, portant des shorts et tout, exposant leur corps et tout. Il a vu ça ici. Et il nous en a averti. Mais quand il s'agit d'aller ici, le Seigneur lui montrait là où nous devons aller en passant pas par les jugements. Déjà en avance, vous comprenez? Donc cela veut dire qu'il a vu qu'il marchait et il a vu un ange de Dieu. Qu'il disait, avance, avance, je vais te montrer là où ceux qui étaient avec toi, ceux qui t'ont reconnu. Vous comprenez? T'ont reconnu, ça veut dire ont reconnu Christ, les dons parfaits, que lui n'a pas ajouté ni retranché, que lui l'a identifié. Tout ce que toi tu l'as ramené, qui t'ont cru. Vous comprenez? Tu vas les voir là-bas. Voilà. Et il a vu un fleuve vert. Et il a dit, traverse ce fleuve-là. Il a traversé, il s'est retrouvé ici. Vous comprenez? Donc, ça veut dire, cet espace de jugement n'avait rien à voir avec lui. Pourquoi? Parce que les Écritures l'ont dit clair là-bas. Et quand il s'est retrouvé ici, il a rencontré les saints qui sont morts en Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Car la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront. Nous qui sommes vivants, nous ne dévancerons pas. Il les a tous vus ici. Si c'était question de voir ces des temps de Paul, de Irénée, vous comprenez? De Paul, d'Irénée, de Martin, de Colomba, de Luther, de Wesley, il allait les voir. Mais comme ce n'était pas son âge à lui, l'église de, ce n'était pas l'église de son temps, il a vu que c'est de son temps. Vous comprenez? Donc si moi et toi, on vivait dans ce temps-là, le Seigneur nous a repris, on allait se retrouver avec lui ici.
Comme si vous quittez aujourd'hui, vous avez crié sans garder quelque chose des ténèbres. Vous allez vous retrouver ici sans passer par ici. Et le reste des morts entendent le jugement. Pourquoi? Prenez un exemple. Vous comprenez? Parce que nous allons finir le dimanche prochain en parlant d'ici et d'ici. Parce que nous parlons déjà d'ici. On va parler d'ici. Vous comprenez? Nous avons vu que nous... Faut maintenant parler d'un exemple dans la prédication de... Je pense qu'il est Melchizedek. Il a dit que non, il y avait des familles qui allaient en vacances aux États-Unis d'Amérique. Il y avait une autre véhicule qui était au devant et l'autre qui est en arrière. Et cette véhicule qui était au devant, ils ont tamponné un homme. Quand ils ont tamponné cet homme, ils ont vu que cet homme est monté en haut et il est tombé en bas, il était mort. Et en passant, ils ont regardé en arrière. Ils sont allés freiner là-bas, ils n'ont rien vu. Il n'y avait pas les corps, rien. Ces choses-là sont passées à Kinshasa. Vous comprenez, quand on grandissait. Même en Angola, on peut dire ça. Voilà. Les véhicules qui étaient derrière eux, cette famille-là, ils ont aussi stoppé. Ils leur ont posé la question et tous se sont arrêtés pour savoir si la personne qui est morte est où, qu'on a tamponné, est où. Et ils ont vérifié, il n'y avait personne, rien. Et quelques jours après, ils ont... Je vous donne cette histoire pour terminer. Quelques jours après, ils ont entendu ce que vous voyez, ce que vous comprenez, que non, dans ces mêmes endroits, il y a quelques années passées, on avait tamponné un homme là-bas. Et je vous parle de cette histoire. Et donc, ça veut dire cette expression qu'on disait souvent à Kinshasa. Eh bien, tamponné. Voilà, donc ça veut dire par choquer. On peut dire ça de plusieurs façons. Donc, il y a plusieurs termes qu'on peut utiliser. Mais laisse-moi simplement prendre ça. Voilà. Donc, et ils ont dit que non, on avait tué, un homme était tamponné là-bas, et puis, donc cela veut dire, il était mort. Cet événement s'est passé là-bas. Pourquoi ils parlaient de cet exemple? Pour vous ramener à comprendre que non, ça arrive beaucoup de fois. On peut voir quelqu'un qui s'est empoisonné lui-même, qui s'est fait du mal, vous comprenez? Comme il y avait un exemple, il y a un petit frère qui m'expliquait ça, un cousin à moi. Il disait que non, ils étaient au Bas-Congo et puis ils faisaient de la musique. Son ami lui a dit que non, tout ça la concurrence, il y a l'orchestre internet, il fallait que tu le reçois. Bah, numéro pour te gagner, il faut du succès. Et ils sont allés vers le féticheur leur a dit que non, on va aller au cimetière la nuit. Est-ce que vous comprenez? Et la nuit, ils se sont décidés d'aller au cimetière. Quand ils sont allés là-bas, il leur a dit bon. Ce qu'on va faire, il faut qu'on puisse invoquer l'un de votre famille. Et son ami a dit que non, donnez le nom. Il a donné le nom de sa sœur qui était morte. Est-ce que vous voyez? Et quand il donnait le nom au féticheur, le féticheur a invoqué, vous comprenez, la sœur était morte à Kinshasa, mais à Bimi, elle se mettait là-bas comme moi. Elle était sortie là-bas. Et maintenant, quand la sœur était sortie, elle a dit, tu l'as reconnue? Oui, c'est ma sœur, c'est elle qui était morte. Tu l'as reconnue? Oui, je la reconnais. Et maintenant, le féticheur a voulu stopper cette femme-là, la sœur de ces garçons, vous comprenez, pour qu'ils puissent faire les cérémonies et rentrer. Elle venait toujours, ne s'arrêtait pas. Stop, stop, rien. Et maintenant, il a posé la question au garçon. Elle était morte de la maladie ou quoi? C'était l'accident? Non, non, elle s'est empoisonnée. Vous comprenez cela? Donc, ça veut dire, son esprit n'a pas de repos. Vous comprenez? Donc cela veut dire qu'elle peut apparaître d'un bout à l'autre. Vous pouvez peut-être quelque part dans un autre pays, vous pouvez le voir. Vous comprenez? Et à chaque fois dans l'endroit où il y avait l'accident, il vient souvent parce qu'il est là, son âme est là. Vous comprenez? Donc c'est un perdu. Il attend le jugement. Et ils n'avaient pas de solution, ils ont commencé à fuir, mais les féticheurs ne pouvaient pas fuir. Il a eu des problèmes à crier là-bas et en fuyant. Vous comprenez? Donc, ça veut dire, ceux qui ne sont pas morts en Christ, ils entendent les jugements. Apocalypse chapitre 20, nous allons lire ça le dimanche prochain en terminant cet enseignement que nous avons pris beaucoup de semaines. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux qui ne sont pas en Christ, bien-aimés, saisissez-là ce que je vous dis ici. Quand vous mourrez, vous qui n'avez pas entendez la trompette de 1 Thessaloniciens chapitre 4 qui a ramené l'ange puissant
L'ange puissant, Christ Jésus, Seigneur, le Pou, sur la terre, dans la nuée, dont les disciples ont vu et reconnu. On leur a dit par les deux anges qui leur ont apparu ce jour de l'ascension. Pourquoi restez-vous, regardez au ciel? Le même Jésus que vous avez vu monter au ciel, de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel, il va revenir. Il était devenu nué dans acte 2, acte 1, pardon, verset 9 à 11. Je parle de 2 parce que j'ai enseigné en anglais avec acte 2. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez voir que il va revenir dans cette fois. Et dans Apocalypse chapitre 10, si vous lisez les versets 1 jusqu'à 7, l'ange puissant est descendu, enveloppé des nuées. Vous comprenez? De la nuit. Si vous n'avez pas encore entendu ce son qui a ramené de la trompette, les cris de l'archange, le son de la trompette, vous comprenez? Si vous n'avez pas encore entendu ça, ce qui lui a ramené ici, sachez-le que le jugement vous attend. Dès que vous mourrez, vous n'irez quelque part, vous n'irez nulle ailleurs. Peut-être que vous allez vous retrouver ici, dans cette dimension ici, dans la deuxième dimension, toujours dans les temps. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Mais pour que vous puissiez retrouver ici dans le repos, vous devez posséder le repos ça ici. Parce que le Saint-Esprit, c'est un gage, c'est l'héritage, c'est le repos. Dieu créa pendant 6 jours et le septième, il s'est reposé. Et le repos là, c'est lui Dieu, le Saint-Esprit. Père, Dieu. Fils, Dieu. Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. 3 dispensations d'un seul Dieu. Il n'y a pas 3 dieux. Père manifesté avec nos pères dans l'Ancien Testament. Dispensation du Père. Fils est venu dans la dispensation. Aujourd'hui, c'est la dispensation du Saint-Esprit, le même Dieu. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous comprenez? Je vous en prie, chers frères. C'est comme ça qu'on reconnaît l'identification du jour. Et lui, le Saint-Esprit, Jean 14, il nous a dit, il est le repos. Il s'est reposé. Il se repose où? Moi et mon Père, nous l'aimerons. L'aimerons qui? Celui qui garde ma parole. Qui n'ajoute pas, qui ne retranche pas, qui ne cache pas quelque chose. Ça vous amènera un jour à faire un mal à ton bien-aimé comme Caïn. Vous comprenez? Il fit un religieux. Vous serez là un religieux, pas un chrétien qui, du jour au lendemain, va revêtir l'image du Christ et devenir Christ parce qu'il est une épouse, l'Église, un membre dans ce corps mystique. Est-ce que vous comprenez? Je vous en prie, je vous en supplie, le repos que vous allez, après votre mort ou soit après l'enlèvement, si Jésus vient aujourd'hui pour le départ soudain, je dis bien. Parce que quand il vient, ce n'est plus de la manière que les gens vous disent que non, que le Londé Yangwana 1 Thessalonicien qui s'est accompli, Apocalypse chapitre 10, l'ouverture des sceaux, c'est ça et c'est Salama. C'est déjà accompli, n'attendez plus, s'il vous plaît. Il n'y a rien à attendre. Ôtez les yeux de votre cœur, illuminez ça, frère, cher pasteur, cher évangéliste, cher docteur, bien-aimé, cher frère. C'est le temps de la nudité impossible, de l'humiliation. La marque de la bête est là. As-tu déjà eu ça où tu as le repos avec toi? Parce que quand le frère Branham a quitté ici directement, il était venu ici, il les a tous vus ici. C'est qu'ils étaient morts en Christ. Ils sont dans le repos parce qu'ils possédaient le repos dès qu'ils étaient ici. C'est le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse richement. On arrête ici, vous allez me comprendre, je vais garder votre temps pour bien assimiler ça et continuer à écouter ça. Vous comprenez? Si vous regardez ici, c'est mortel ici, vous qui connaissez mes fautes et mes erreurs, c'est votre jugement. Moi, je prie, je m'humilie devant le Seigneur, qu'il m'aide dans mes faiblesses, dans des temps difficiles que je passe, je ne laisse pas le Seigneur à côté. J'ai dit, Seigneur, laisse-moi tenir ta main. Tiens l'immuable main de Dieu, tiens l'immuable main de Dieu, espérons les choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu,
Crois en Dieu qui ne t'abandonne. Crois qu'appartient les âneux si les amis t'abandonnent. Attache-toi toujours à lui, mon frère, ma soeur. Tiens l'immuable main de Dieu. Vous comprenez? Et le Seigneur ne nous abandonnera pas. Que Dieu vous bénisse richement les repos. As-tu déjà reconnu si tu as les repos ou pas? As-tu déjà reconnu si tu as la marque de la bête avec toi ou pas? Ce n'est pas, on va mettre ça, dessiner ça ici, si ça 66, T. Oh, ici, non. C'est la connaissance. Vous comprenez? C'est le savoir. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons continuer avec des chapitres que nous vous avons promis le dimanche prochain, par la grâce du roi Jésus, l'auteur de cette parole, lui, le Saint-Esprit. Shalom, je vous aime.